mon cher Holmes. Aujourd'hui, j'ai marché une vingtaine de kilomètres hors des sentiers battus, ce qui me vaut maintes courbatures. Mais je ne les regrette pas, le paysage est d'une telle splendeur. Je garde toujours au fond de moi l'espoir de vous voir vous joindre à moi. Bien sûr, je sais que la beauté de la nature ne signifie pas grand-chose pour vous, mais je reste persuadé que vous trouveriez certains occupants de mon hôtel des plus intrigants. Les splendeurs morales sont personnifiées par le très surprenant Major Schlesinger, un héros de la guerre des bourgs, aujourd'hui dans une chaise roulante et qui se consacre à des œuvres de charité. Son infirmière est une certaine Miss Calder, dont les attentions laissent sous-entendre qu'elle est non seulement une de ses disciples, mais que de doux sentiments l'attachent au Major. La plus fascinante de toute cette petite communauté est une femme qui ne passe jamais inaperçue. Lady Frances Carfax. Je suppose que certains disent d'elle qu'elle est moderne, excepté qu'elle semble descendre d'une ancienne lignée d'anglaises excentriques. Hier, et comme pour confirmer l'opinion générale sur son originalité, elle a décidé de se rendre à l'église en traversant le lac à la voile. Les commentaires et spéculations allaient bon train dans les voitures qui nous conduisaient vers la petite chapelle. Pour savoir si Lady Frances était aussi douée qu'elle le disait. Et pour ceux qui en doutaient, ils durent se rendre à l'évidence en voyant son embarcation amarrée au ponton. Les gens sont toujours pleins d'a priori. Moi le premier, allez-vous dire. Votre serment était très réjouissant, mon père. J'étais morte de rire. Pour elle, tout semble prétexte à la plaisanterie, même les serments. Et elle se soucie peu de l'impression qu'elle crée autour d'elle, où qu'elle soit. La vue de cette femme face à son embarcation nous a tous un peu fait sourire. Mais dans la mesure où la traversée s'était bien passée à l'aller, nous n'avions aucune raison de penser que le voyage de retour présenterait de grandes difficultés. Ni qu'il se terminerait de cette façon. J'avais décidé de rentrer à l'hôtel à pied. Je ne faisais donc pas partie de ceux qui attendaient l'arrivée de Lady Frances. Je suis arrivé plus tard, au moment exact où se déroulait le tragique accident. Allez, au secours! Au secours! Au secours! Je ne pouvais rien faire, mon cher Holmes. J'étais trop loin. Je ne me suis jamais senti aussi impuissant de toute ma vie. Aussi impuissant, du moins le croyais-je, que le major dans son fauteuil qui semblait ne pouvoir qu'appeler pour des secours. À moi ! Une chose que j'avais oubliée, c'est que les faiblesses d'une partie de son corps étaient compensées par une grande force de l'autre partie. Incapable de marcher, le major était capable de nager rien qu'à la force de ses bras. Bientôt, des renforts arrivèrent de l'hôtel même. Et une tragédie fut heureusement évitée. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre, mais il paraîtrait que Lady Frances serait irritée de ce sauvetage, comme si ses principes de suffragette avaient été compromis en quoi que ce soit. Toujours est-il que le major a été élu héros de la journée à l'unanimité. Les attentions de Miss Calder se sont transformées en une adoration sans borne. Il ne fait aucun doute que demain, la conférence du Major sur la mission attirera beaucoup de monde.
Ah, à ce propos, savez-vous qu'il est le représentant britannique de l'Église de la Mission du Christ Guérisseur, dont le théâtre d'activité est les Andes du Pérou? Major. Bonjour. Bonjour. Le major a l'air de m'éviter depuis ce matin. Le pauvre semble embarrassé par son héroïsme. Il pense peut-être que je me sens obligée de contribuer à son travail. Mon Dieu, que les gens ont des réactions bizarres. Qu'en dites-vous? Oui, c'est certain, je suis d'accord avec vous. Ça vous dirait de faire un tour au bord du lac? Docteur? Le major Schlesinger consacre toutes ses forces à son église, n'est-ce pas? Oui, je crois savoir que les besoins financiers sont considérables. Oh, du reste, la conférence qu'il tiendra demain à l'hôtel a pour but de récolter des fonds. Ça va marcher. Les grenouilles de bénitier local seraient prêtes à verser une guinée chacune pour sa compagnie. Au vu de tous, bien sûr. Est-ce que je vous choque? Absolument pas. Je choque mon frère. Hein? En tant que comte de Ruffton, il croit être de son devoir de se choquer. Oh, ne trouvez-vous pas cela magnifique? Toutes mes vacances d'été, je les ai passées ici, sur les bords de ce lac. C'est un endroit merveilleux. Oui, en effet. Il doit me rendre visite demain. De qui parlez-vous? Mon frère. Le devoir, encore et toujours. Que le diable l'emporte. Qu'il aille au diable! Lady Frances, quelle bonne surprise. Je dois admettre que son attitude continue à me fasciner. Je vous accorde que sa réaction vis-à-vis du cavalier inconnu était extrême, mais beaucoup de réactions le sont. Le connaissait-elle avant? Que s'est-il produit dans le passé qui puisse engendrer une telle peur de cet homme? Je cherche une explication et je place quelque espoir dans la visite de son frère cet après-midi, la visite du comte de Ruffton. Pour tout dire, son originalité est toute différente de celle de sa très chère sœur. Là où elle bouscule les conventions, lui, il les cultive à un tel point que ça en devient presque un sacerdoce. À mon grand étonnement, je n'accordais qu'une attention superficielle à la beauté qui m'entourait. Mes pensées retournaient constamment vers Lady Frances. Il y a quelque chose qui attire ma sympathie. Je ressens en elle une sorte de détresse que j'aimerais vivement pouvoir dissiper. Il est à espérer que la visite de son frère lui change un peu les idées et atténue le souvenir de l'étrange rencontre d'hier. Qui est cet homme, Holmes? Pourquoi ne souhaite-t-il pas se faire connaître? Pourquoi, en effet? Watson, vous m'intriguez. Je suis venu pour prendre de vos nouvelles et non pour écouter vos reproches. Je ne vous fais aucun reproche. Ça y ressemble, en tout cas. J'ai besoin d'argent. C'est simple, non? Rien que ça? Je trouve que vous commencez à exagérer, je dirais même... Dites-vous que je n'exagère jamais, John. S'il m'est arrivé de dépenser plus que ce que votre générosité parcimonieuse m'autorise, c'est parce que quelqu'un était dans le besoin. Ah oui, votre fameux cœur en or. À ceci près que c'est avec mon argent et qu'il n'y en a plus. Vous êtes parfaitement au courant. Le grand escalier tombe en ruine. Un couple de hiboux a élu domicile dans l'aile ouest et vous croyez que... C'est pour qui cette fois? Un petit poète sans le sou du côté de Islington? Vous savez toujours aussi bien être cruel.
Vous êtes-vous déjà soucié de ce que je voulais? Jamais! Cela fait 15 ans que je gaspille ma vie, John! Et aujourd'hui que j'ai enfin l'occasion de faire quelque chose de bien, cela n'a aucun sens à vos yeux! Bonjour, docteur. Une vie dissolue et l'argent n'a jamais fait de différence. Aujourd'hui, la différence, c'est que l'on va me dire ce que je dois faire. Vous savez que je déteste ça. Vous refuserez toujours les conseils, n'est-ce pas? On vous a tout offert et vous avez refusé. Et que m'a-t-on offert? Le mariage, un grand prix. Vous me voyez, moi, l'esclave d'une noble relique? Qui sentait le vieux bouc et qui croyait que Bac est une bassine contenant de l'eau? Très bien, d'accord. Pourquoi êtes-vous contre moi, John? Pourquoi? J'en ai assez de ce côté médiocre et miséreux de mon existence. C'est tout de même pas trop vous demander de faire en sorte de m'aider à accomplir une tâche qui donne un sens à ma vie. Pourquoi avez-vous toujours essayé de me diminuer? Réfléchissez, John. Réfléchissez. Un seul versement, hein? Et vous n'entendrez plus parler de moi. Le Mule Express, comme nous l'appelions, nous apportait le courrier une fois par mois. Les lettres, bien sûr, ainsi que des livres achetés grâce à tous les dons. Et des médicaments pour le bien-être de mes paroissiens, que vous pouvez voir ici, sur cette vue, prise devant la mission, durant une pause pendant les travaux. Quand vous aurez vu la photo suivante, prise par un des membres de ma congrégation, vous comprendrez pourquoi la parabole du berger et de la brebis égarée s'est transformé dans notre enseignement religieux en la parabole du gardien et du lama. Enfin, voici notre église, humble, de conception rudimentaire, sans aucune fioriture. Je suis fier de dire que la parole de Dieu est prêchée avec autant de ferveur au sein de ses murs et tout aussi joyeusement reçue que dans les belles cathédrales de notre pays. Merci. Nous remercions de tout cœur le major de cet exposé des plus intéressants. J'ai le regret de dire que la rigueur de son itinéraire oblige le major Albert Schlesinger à nous quitter pour Whitehaven dès cet après-midi. Nous ferons parmi nous une petite collecte au bénéfice de son inestimable mission, bien entendu. Que dois-je comprendre? Que le remède à votre problème est entre vos mains. Ah oui. Vous savez que j'ai raison. Si vous êtes vraiment sérieuse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je commence à en avoir plein les bottes que vous veniez sans arrêt quémander. J'ai des responsabilités, moi. Si vous n'aviez pas gaspillé toutes vos chances, vous n'en seriez pas là. Je ne marche plus. Il ne vous reste à faire qu'une chose. Faites-la et n'en parlons plus. C'est mon dernier ressort. Mon seul et ultime recours. Comment pouvez-vous suggérer... Cocher! Cocher! Où est-il passé, celui-là? Dans quelle salle, monsieur Schlesinger, tient-il sa conférence? J'ai peur que vous ne puissiez vous y rendre. La réunion est terminée. Le major est parti pour Whitehaven alors qu'il l'est, madame. Oh oui, j'ai complètement oublié. Merci. Oui. Lady Frances? Monsieur, arrêtez! Je ne doute pas que vous pensiez que mes craintes ne soient fondées, mais les apparitions répétées de cet homme lui font, c'est ce que j'en ai déduit, l'effet d'un couteau enfoncé dans une plaie non cicatrisée. Les journaux du soir, monsieur Holmes.
Madame Hudson, faites-moi venir un fiacre. Madame Hudson, dès que le bureau du télégraphe ouvrira, au docteur John Watson, hôtel du lac, Fellmer, Cumberland. Mais, monsieur Holmes... Je ne serai plus là, madame Hudson. Docteur Watson! Je serai dans le train de 8h17 pour Anston. Docteur Watson! Mon fiacre vous attendra devant la porte. Lisez. Monsieur Holmes... Lisez! Grave danger, Lady Frances, stop. Ne la perdez jamais des yeux, stop. J'arrive, Holmes. Depuis quand est-ce arrivé? Elle a disparu, Watson. Disparu. Et Lady Frances a-t-elle réglé sa note? Non, monsieur. A-t-elle réclamé un moyen de transport? Non, monsieur. Elle n'a emmené aucun bagage? Nous pensons que non, monsieur. Où est monsieur Holmes? Rien pour l'instant, Holmes. Ah, je commence à envisager le pire. Je m'en veux, j'aurais dû voir ce coup-là venir. Oui, c'est une possibilité. Vous dites? Si on ne le voit pas, c'est plus inquiétant encore. Quoi? Le voilier, Watson, ce satané voilier. Il n'est plus là? Précisément. Il est possible qu'ils aient emmené Lady Frances Carfax dans le voilier jusqu'à Anside, la gare de l'autre côté du lac. Vous voulez dire que les ravisseurs l'auraient emmené avec le bateau? De la soie. Une parmi les trois possibilités. Et mélangée avec du coton, sans doute. Étoffe grise. Elle avait un châle gris sur elle. Ceci ne nous dira rien de plus. Quelles sont les trois possibilités, Holmes? Et avec quoi portait-elle son châle? Une tenue d'extérieur. Les trois possibilités. Elle peut s'être enfuie pour justement fuir le grand barbu. Deuxièmement, son ravisseur l'a emmenée à bord du bateau. Ou bien, vu l'état d'esprit dans lequel elle se trouve, l'homme l'a emmenée consentant. Oh non, cela m'étonnerait. Elle était terrifiée. Vous pouvez me croire. Je vous crois. Eh oui. Un pauvre agneau dans un monde de loups. Une fois dévoré, il ne manque à personne. Venez, Watson. Nos chevaux doivent être scellés à présent. Nos chevaux? Je sais que c'est un choix qui ne vous satisfait guère. Mais le temps est notre plus grand ennemi, Watson. Nous devons être à Rofton Hall avant le coucher du soleil. Je ne vois vraiment pas en quoi cette histoire peut vous intéresser. Mon intérêt est considérable, je vous assure. Une des plus dangereuses catégories de truands sur Terre sont les ravisseurs de jeunes femmes. Sans personne pour la protéger et la garder, elle est une cible privilégiée pour les criminels de ce genre. Je traite la disparition de votre sœur avec le plus grand des sérieux. Croyez-vous que ce ne soit pas mon cas? Alors je ne fais que suggérer que je trouve léger de votre part de refuser de nous dire la raison de votre querelle. Après tout, n'est-ce pas cette querelle qui a immédiatement précédé sa disparition? Est-il possible que cela ait un rapport avec ce poète qu'elle a connu à une époque? Quoi? J'ai appris par mon collègue qu'il est probable qu'elle l'ait revu récemment. Corinne?
Je croyais nous en avoir débarrassé. Il avait trouvé la solution pour lui faire faire ses valises. Et il connaissait votre sœur? Il la courtisait. Cet homme était une brute. Elle n'avait rien à faire avec lui. L'honorable Philip Green. Jamais titre n'a été aussi abusif. C'était devenu un animal. Le jeu, la boisson. Destitué ses biens, il s'est retrouvé à Islington et prétendait écrire de la poésie. Et bien sûr, Francis a commencé à s'intéresser à lui du jour où il a été ruiné. Comment vous en êtes-vous débarrassé? C'était un maître violent et alcoolique. Oh. Il y avait de nombreuses plaintes contre lui. Dettes, coups et blessures. Je lui ai remis 100 livres et une place sur le bateau pour l'Australie. Si je le revois ici, j'envoie les chiens à sa poursuite. Voyons, le sujet de votre querelle. L'argent. Oh. Elle voulait de l'argent. Elle n'a aucun revenu. Une rente sur ce que rapporte le domaine. Assez modeste, mais vous avez vu la maison. Elle n'a donc rien à son nom. Si, elle a quelque chose. Je lui ai dit que si elle avait besoin d'argent, elle n'avait qu'à vendre ceci. Elle possède cette collection d'une valeur inestimable. Cette parure a été dessinée par Fragonard pour la famille royale française. Nous l'avons acquise à la Révolution. Aujourd'hui, c'est à elle. Moi, je n'ai que les hiboux qui logent dans l'aile ouest. Si vous voulez, on va leur rendre visite. Où garde-t-elle ses bijoux? Voyage-t-elle avec? Non. Dans ce cas, où les a-t-elle mis? Monsieur le comte, votre sœur a disparu. Comment et pourquoi, nous l'ignorons encore. Mais je suis persuadé qu'elle court vers un très grave danger. Si nous savions où se trouvent ces bijoux, cela vous donnerait une petite chance de la retrouver. À la Oxford et Lombard Maritime Bank à Pall Mall. Je vous remercie. La Oxford et Lombard Bank ouvre ses portes dans moins de 12 heures. Peut-être déjà reparti. La banque a ouvert il y a 20 minutes. J'ai vraiment été stupide. J'aurais pourtant dû comprendre d'après sa réaction. S'il arrivait la moindre chose... Calmez-vous, mon cher ami. Holmes, regardez. Puis-je vous aider, monsieur? Oui, j'aimerais rencontrer monsieur le directeur. J'ai une recommandation pour une affaire privée concernant un dépôt dans votre banque. Mon collègue... Une seconde. Moi, monsieur? Oui, vous. Qu'avez-vous fait de Lady Frances Carfax? J'insiste pour avoir une réponse. Watson! Arrêtez! Monsieur Green, excusez mon ami, une nuit dans le train l'a un peu perturbé. Non! Watson! Holmes, c'est lui! Arrêtez!
Je m'en veux terriblement. Non. Je vous en prie, c'est inutile. N'en reste pas moins que je m'en veux. Mais nous sommes tous à blâmer. Elle a encore disparu, c'est tout. Il est inutile de revenir là-dessus. Où est-elle? Voilà la question. Monsieur Green, revenons à ce moment près du lac hier matin. J'étais sorti faire une promenade à cheval lorsque j'ai aperçu le voilier. Il naviguait sur le lac en direction de Ransay. Et vous avez vu Lady Frances à bord? Oui. Était-elle seule? Oui, elle était seule. Bien, continuez. J'ai pu réussir à prendre le même train. Je l'ai supplié de me parler. Je lui ai raconté comment j'avais fait le tour du monde et que j'étais devenu un homme riche. Je lui ai dit que je n'avais jamais cessé de l'aimer. Et que je souhaitais enfin faire son bonheur. Je la vois encore, assise sans rien dire. Un petit sourire au coin des lèvres. Non, a-t-elle dit. Je n'ai pas réussi à la convaincre. Une fois à Londres, je l'ai suivie du mieux que j'ai pu, mais elle semblait déterminée à se débarrasser de moi. Je l'ai perdue aux abords de Southwark Bridge. Southwark? Oh, vraiment intéressant. Pardon? Je me suis laissé dire que sa cachette était à l'ouest de Westminster. La cachette de qui? Comment vous êtes-vous retrouvé à la banque? Eh bien, je me suis dit qu'elle aurait besoin d'argent pendant son séjour à Londres et je connaissais l'adresse de la banque familiale. Mon idée était de voir le directeur pour lui demander son aide. Savez-vous où elle est, Monsieur Holmes? Non, je n'en ai aucune idée. Et où croyez-vous qu'elle soit? Je pense que malgré nos efforts pour la sauver, nous ne sommes pas encore arrivés au bout de nos peines. Mais nous l'avons tous vue libre. Mon cher Watson, une personne peut marcher au bord d'une falaise simplement parce qu'on l'a invitée à contempler la lune. Mm-hmm. Ses yeux sont peut-être ouverts, mais elle est, j'en suis persuadé en ce moment, face au plus grand des dangers. Schlesinger. Major Schlesinger. Depuis quelques jours, je me suis plongé dans le monde des missions apostoliques. J'ai également fait des recherches dans les dossiers de Scotland Yard. Schlesinger est également connu comme le révérend Joseph Coblington, Amos Callou, le doyen de Maseru, et Edmond, l'évêque de Lima. Son véritable nom est Peters. C'est un escroc international, connu à Scotland Yard avec cette implacable logique de cette maison comme Saint Peters. Ce qu'ils ne savent pas encore, mais qu'ils ne tarderont pas à savoir, c'est que c'est un meurtrier. La spécialité de Peters est la séduction de femmes seules et fortunées en jouant la corde de la religion et de la charité. Helena Rosenblum travaillait pour des œuvres de charité depuis 10 ans lorsqu'elle a rencontré Schlesinger. Il l'a convaincue de dévouer son énergie à une nouvelle mission dans les Andes. Elle a changé son testament, dit adieu à son ancienne existence et s'est embarquée sur le SS Almeria à Glasgow, à destination de l'Amérique du Sud. Elle est passée par-dessus bord la première nuit de la traversée. Le SS Almeria s'est détourné sur Liverpool pour que la famille recouvre ses effets. Schlesinger en a profité pour débarquer et s'est rendu dans la région des lacs où il a rencontré sa future victime. Lady Frances Carfax. Ça y est, nous le tenons. Nous le tenons. Où l'avez-vous trouvé? Chez Riley, à Stockwell. C'était, d'après mes calculs, le 20e prêteur que je visitais.
Riley a déjà été condamné 2 fois pour recel de bijoux. Il est prêt à collaborer avec nous. Qu'est-ce que cela signifie? Je veux une réponse! Monsieur Green, calmez-vous. Il n'est pas nécessaire de crier. Détendez-vous. Croyez-vous vraiment que je puisse me détendre? La pensée que Frances soit aux mains d'un criminel me devient plus qu'insupportable, monsieur Holmes. Cette pensée devient chez moi une obsession qui frise la déraison. Calmez-vous, monsieur Green. Calmez-vous, je vous prie. Si elle ignore encore la véritable identité de Schlesinger, il n'y a rien à craindre. Et dans le cas contraire? Dans le cas contraire, ses chances de survie sont très diminuées. Nous devons continuer à espérer qu'elle n'est pas au courant de son identité. 15 longues années. Je pensais que je ne pouvais revenir qu'après être devenu quelqu'un. Il était peut-être insensé de ma part de croire qu'elle m'attendait encore après tant d'années. Il faut dire que j'étais stupidement encouragé par le fait qu'elle n'était pas mariée. Et ma stupidité l'a conduit dans les bras d'un assassin. Que puis-je faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Êtes-vous connu de Peters? Non. Ah, dans ce cas, vous pouvez faire quelque chose, mais cela demande de la patience. Oh, j'ai déjà attendu pendant plus de 15 ans, monsieur Holmes. Schlesinger a obtenu un prix intéressant pour les bijoux sans qu'on lui pose de questions. Il y retournera certainement. Les Rosenblum contestent le testament. Vous donnerez ceci à Riley. Il vous laissera attendre dans sa boutique. Cela risque d'être long. Faites preuve de patience. Et plus que tout, aucune violence. En effet, je suis en retard, il devrait déjà être chez vous. Ceci dit, votre commande sortait un peu de l'ordinaire. Pouvez-vous me rappeler l'adresse? Que désirez-vous, monsieur? Argyle Street. Pourriez-vous me dire où est cette rue? Allez au bureau de poste, au coin de la rue, ils vous le diront. Monsieur Green, nous ne pouvons rien faire sans un mandat. Enfin, c'est quand même incroyable. Jusqu'à ce que nous ayons obtenu une signature sur un bout de papier, nous ne pouvons rien faire. Mais pendant ce temps, ces fanatiques peuvent faire d'elle ce qu'ils veulent. Êtes-vous certain de m'avoir donné tous les détails? Je vous ai tout dit, monsieur Holmes. Absolument tout. Vous allez porter ceci à Scotland Yard. Ils comprendront l'urgence de l'affaire. Et je devrais attendre le mandat? Vous ne l'aurez pas aujourd'hui. Quoi? Un peu de temps est inévitable. Un magistrat doit en donner l'ordre. L'autorité peut être encouragée, mais non harcelée. Mais demain, il sera peut-être trop tard. En avez-vous conscience? Monsieur Green,
Tout ce qui peut être entrepris le sera. Allez! Demain, il sera peut-être vraiment trop tard. Je sais aussi bien que vous. Armez-vous, Watson. À nous d'agir en franc-tireur, comme d'habitude. Autant ne prendre aucun risque. N'avons-nous pas déjà agi ainsi dans le passé? Huit heures demain matin, au cimetière de Brixton. J'ai peur qu'on vous ait mal renseigné. Vous devriez essayer d'aller voir chez quelqu'un d'autre. Oh, cessez, je vous prie, nous n'avons pas de temps à perdre. Vous êtes Henry Peters, alias le Major. Albert Schlesinger, vétéran de la guerre des Bourgs. Je ne vous ennuierai pas à vous répéter tous vos pseudonymes. Et quel est votre nom? Sherlock Holmes, monsieur Watson, mais vous vous connaissez. Votre maison sera bientôt sous surveillance policière jusqu'à l'obtention du mandat les autorisant à perquisitionner. Votre nom ne m'effraie pas, monsieur Holmes, et je n'ai rien à cacher. La raison de votre visite? Nous cherchons Lady Frances Carfax. Je me réjouis de l'entendre. Si une personne peut la retrouver, je suppose que c'est vous. Prévenez-moi lorsque cela sera fait. Nous avons un compte à régler avec elle, une somme de 100 livres, et je n'ai en contrepartie qu'un vulgaire petit pendentif qui n'a de valeur que le nom. Cette femme est une sangsue. Comment osez-vous, monsieur? Vous abusez le monde en prétendant être un blessé de guerre. Vous n'êtes qu'un filou. Ce n'est peut-être pas une blessure glorieuse qui corresponde à vos exigences de boucher, docteur, mais toujours est-il que je m'en passerai bien. Je salue votre pouvoir d'improvisation, monsieur, et votre effronterie, mais restons sérieux. Oh, mais je suis sérieux. Vous la retrouvez et je suis votre débiteur. Eh bien, en attendant, je vais fouiller cette maison. Vous avez un mandat? Ceci fera l'affaire en attendant l'autre. Vous agissez comme un vulgaire voyou. Mais mon ami est un dangereux ruffian avec qui je vais fouiller cette maison. Je ne suis pas en position de vous en empêcher. Allez où vous voudrez. Je n'ai rien à cacher. Il y a un cercueil ici. Puis-je savoir où il est? Ça, il n'en est pas question. Je répète, où est-il? Cela ne vous suffit pas de forcer l'entrée de cette maison, de garder ceci pointé sur moi. En plus, vous voulez troubler la paix d'un mort. Où est-il? Vous n'avez qu'à le chercher. Surveillez-le, Watson. Je ne crois pas que vous utilisiez ceci contre un homme désarmé, docteur. Et dans ma condition. J'ai été soldat en Inde, monsieur. J'en ai tué des plus nobles que vous. Watson, apportez-moi de la lumière! Cela sent le vent molle par ici. Dieu soit loué. C'est quelqu'un d'autre. Dehors, monsieur. Vous avez dérangé la paix du défunt. Partez maintenant. Qui est-ce? Sortez de cette maison! Elle s'appelait Rose Spencer. Sortez de cette maison! C'était notre vieille gouvernante, au service de notre famille depuis 50 ans. Elle s'est éteinte il y a 2 jours. Nous l'enterrons demain matin. Et maintenant, dehors! Avant que je ne sois obligé de faire venir la police pour qu'elle vous jette dehors! J'ai bien considéré le problème, Holmes. Il ne semble pas qu'ils aient pu assassiner Lady Frances et qu'ils aient déposé son cadavre dans le cercueil. Nous en serions aperçus. Le cercueil était ouvert.
Il est possible que cette inhumation n'ait rien à voir avec la disparition de Lady Frances. Et vous savez qu'elle était la plus imprévisible des créatures. Elle a peut-être changé d'avis à propos de Schlesinger. Elle a peut-être même eu des soupçons sur cet homme et il s'avérait peut-être un autre homme que ce qu'elle espérait. Il n'a fait absolument aucun obstacle de recherche. Qu'en dites-vous? Quelle est votre théorie, alors? J'en ai aucune. Il y a une insuffisance de faits pour construire une théorie. Chose. Cela dit, votre commande sortait un peu de l'ordinaire. Qu'est-il advenu de cet esprit dont notre Seigneur m'a fait le don? Watson! Vite, mon ami, c'est une question de vie ou de mort. 9 chances sur 10 de mort, une de vie. Cherchez-vous à prouver par ce sacrilège? Un meurtre. Je cherche à prouver un meurtre. Pourquoi un si profond cercueil pour une si petite femme? Une pièce d'or à chacun de vous si ce cercueil est ouvert dans une minute. C'est monstrueux.
La pauvre vient de connaître la terreur de la tombe. Dieu seul sait ce que cela a pu lui faire. Je l'ai ramené ici, dans le pays de son enfance, qui est un des plus beaux de cette planète. Il y a eu une grande amélioration de son état. Un paysage si familier et si intime pour elle, ainsi que la compagnie de sa famille et de ses amis, qui sont si gentils, si dévoués, ne peut que l'aider à retrouver la réalité. Son pauvre frère, le comte, est tout à sa colère vis-à-vis de ces criminels et rongé par les regrets de cette querelle qu'il a eue avec Frances avant cette malheureuse histoire. Enfin, je vous prie d'accepter le présent 6 juin, témoin de ma gratitude pour le sauvetage de ma Frances. Monsieur Holmes, je garde l'espoir de vous revoir ainsi que le docteur Watson dans un avenir plus heureux. Je ne peux l'accepter. Je refuse d'être récompensé pour le parrainage d'une tragédie. Je n'avais encore jamais souffert d'une telle éclipse de mes facultés. Comme toute éclipse, Holmes, ce n'est que temporaire. Il y a toujours l'espoir d'une complète guérison. Vous croyez ? Je me le demande. Frances.